Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Boulevard Désert. Retrouvez-nous toute la semaine sur Monsieur Adam Officiel. Cette semaine sur Monsieur Adam Officiel, on découvre l'album de Boulevard Désert. C'est 11 titres. Je me dis que toi aussi. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Alors, Lionel Capouillet a mixé Racine Carrée et aussi votre album. Vous avez travaillé avec lui comment ? Ça s'est passé comment, cette collaboration ? On cherchait quelqu'un qui allait pouvoir mixer, on va dire, une production moderne avec des paroles en français. Donc voilà, qui de mieux que Lionel pour faire ça. Donc on l'avait approché quand on était encore sur la tournée Bruxelles, un soir à Bruxelles d'ailleurs, où on avait été le voir dans son studio, voilà, pour discuter avec lui de l'approche qu'on allait avoir sur ce nouvel album. Il connaissait déjà le groupe, donc ça a bien aidé. Et puis voilà, il avait envie de se plonger dans une nouvelle aventure. Donc il a accepté de mixer cet album et de partir avec nous en tournée, puisque c'est lui qui sera aux manettes sur les 2 ans à venir. Quelle est la couleur que vous lui donnez à l'album ? C'est avec Je me dis que toi aussi. Si on devait donner un seul terme, on dirait moderne, quoi. On voulait vraiment des productions modernes, dans le sens où on avait beaucoup, beaucoup utilisé les instruments acoustiques sur les précédents albums. Et là, on voulait vraiment mélanger l'acoustique avec des textures plus modernes. Alors ça peut être dans la rythmique, mais ça peut être aussi dans des nappes, ça peut être dans des cordes qui sont utilisées de manière plus moderne, dans le sens moins, comment dire, classique. Avec des filtres, avec certains effets. Voilà, ça crée un mélange assez unique en fait de d'instruments acoustiques, comme la guitare ou le piano principalement, mélangé avec des choses qu'on a moins l'habitude d'entendre. Donc je pense que c'est pas mal, dans le sens où ça interpelle un peu l'oreille, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Alors sur ce disque, les copains sont venus vous prêter main forte. Je pense à Vianney avec le titre Allez reste. C'est une belle collaboration, ça. Oui, c'est une belle rencontre, c'est une belle collaboration. On est très heureux d'avoir eu la chance de l'inviter et honoré qu'il ait accepté l'invitation. C'était un copain avant ? Oui, c'est un copain en fait. Notre attaché de presse, un soir dans le bus pendant la tournée, nous fait écouter 2-3 titres d'un mec qui s'appelle Vianney, que personne ne connaît. Et ce mec fera Bercy 4 ans après. C'est Vianney. Et donc dès le début, en fait, on l'a croisé sur des petits concerts promo. Il y avait 100 personnes. Et voilà, il débutait. Et puis, 2-3 ans après, il nous a invités sur ses Zéniths. On l'a invité sur les nôtres. Et régulièrement, on se voit. On se voit pour déjeuner, pour jouer au tennis ou pour parler, quoi. Donc ouais, c'est un ami. Et voilà, ce coup-ci, on est allé chez lui pour lui faire écouter les 5 premiers titres. Enfin, on est allé chez lui pour le voir et puis on en a profité pour lui faire écouter les premières chansons qui étaient nées. Et voilà, il avait bien aimé la chanson Allez reste, qui était un petit peu différente que cette version. C'est lui qui l'a écrit ou vous l'avez écrit à deux ? En fait, nous on a écrit Allez reste, on a écrit le morceau Boulevard Désert. Et quand on lui a proposé de faire le duo avec nous, on est reparti chez lui et on a rebossé les couplets et puis le petit gimmick. Donc il a apporté sa patte. Il a apporté sa patte, c'est lui qui joue la guitare sur le titre également. Donc voilà, ouais, c'était un plaisir. Merci Sylvain, merci Florent d'être passé sur Monsieur Adam Officiel pour parler de votre album, Je me dis que toi aussi. C'est les 11 titres qu'on peut retrouver en bac et puis aussi en vinyle, hein, parce que le vinyle c'est sympa. Hein. Ouais, c'est sorti en vinyle, c'est la première fois qu'on sort en vinyle, donc on est très contents. Je crois qu'il n'y en a plus, hein, franchement. C'est possible qu'il n'y en ait plus. On va le commander. À partir de là-dessus. Merci à vous. Merci.